Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de Survie du Week-end. On continue notre péripétie ici, à la conserverie Hibernia. J'espère qu'on va trouver plein de conserves par contre au passage. Donc nous sommes au site de Désolation. Donc on a un peu fouillé, déjà on a fait le phare, on a fait le... comment ça s'appelle, le Rican. On a fait le Rican, j'arrive pas à le cibler. Ah voilà. Ah, le Rican, voilà, le Rican. On a fait ça. On a fait à manger, on a plein de bouffe et tout, ça va bien. On a refait un peu d'eau. Et on a une réserve de souvenirs à récupérer aussi. Donc on va aller fouiller un peu ça. On est à 42-43 kilos. Donc ça va, on va manger. Il nous reste encore un peu de journée. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de fouiller le centre en fait du bâtiment. Ça va pas être très simple, mais ouais. Par contre, est-ce que... Parce que la dernière fois, j'avais fouillé... Pierre aiguisée. J'avais fouillé, en fait, et est-ce que j'étais ressorti... Est-ce que j'étais ressorti... pour sauvegarder la partie? Maintenant que j'y pense, je crois, hein. Je crois, hein. Parce qu'on a, parce que normalement, j'ai toujours une pierre à aiguiser sur moi. Donc en théorie ça devrait faire deux, mais là c'est possible que j'en ai pas repris une sur moi en fait. Parce que je sais que j'en avais utilisé une pour remettre... Oui oui, vider tout ça, oui on est bon. Ok, let's go, on descend, on sort plutôt. C'est bon, j'avais un doute sur le moment. Ok, alors fais voir un peu ça, on va faire comme ça. Ok, très bien, mobile home. Alors on va voir la réserve déjà. Elle est pas très loin, donc elle serait sur le côté droit. Il faut faire attention parce qu'il y a des choses ici qui rôdent. Ok. Alors, normalement, peut-être sur le ponton. Conteneur métallique. On l'a fait le conteneur métallique? Ouais. Alors, en théorie, ça devrait être là. Tomber dans l'eau. Poisson. J'ai l'impression qu'il va nous falloir une bonbonne. Pour dessiner en fait et trouver le chemin. Enfin, trouver le lieu où il y a la caisse apparemment. Ça m'embête ça. Ou alors je peux dessiner comme ça. Attendez. Je suis aveugle, c'est ça. Est-ce que ça va dessiner la caisse? J'ai l'impression qu'on est vraiment dessus là en fait. Peut-être en dessous, hein, vraiment en dessous. J'ai posé le poisson pour éviter qu'on attire trop de loups. Genre une paroi. Oh, d'accord. C'est bizarre. C'est bizarre.
Bah mince alors. Ils ont oublié de mettre la boîte, c'est ça? Ou alors elle est sur les chariots? Parce que ça c'est le conteneur métallique. Donc du coup c'est en théorie c'est là quoi. Genre est-ce que c'est sur un des chariots là? Enfin, les chariots, les machins. Ah elle est là, c'est bon. Ok, alors fais-moi... Waouh, ok. Ah, fusée de détresse, ok. Ça marche. Je l'ai mis où le poisson? Je l'ai mis là. On va le mettre à côté de la nourriture que j'ai laissée. Très bien. On va fouiller ça. Bon, les fusées de détresse bleue, ouais, c'est pas si mal. Le problème, c'est qu'elles sont lourdes. Avant les tremblements de terre, je venais ici pour m'échapper du village, c'était un petit instant de tranquillité. Ah, c'est en bas, ok. Ça marche. Est-ce que je peux dessiner depuis la... Ouais. Ok, très bien. Alors là, ça fait pont en fait. On peut passer par la voiture pour aller de l'autre côté. Mais on va... regardez ça d'abord. Bah, il reste du coup de la lumière, mais on en aura peut-être pas assez pour le centre. Au final, on va peut-être genre dormir ici en fait. On verra. On va essayer d'explorer le plus possible avant qu'il fasse complètement nuit. Ok, très bien. Très très... Ah. Ah non, c'est le pied de l'étagère. C'est quoi ça? Fabrication de munitions. Ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Okay, je crois qu'on a tout. Donc ouais, on a eu 3 fusées nautiques et 2 fusées de détresse. On a le pistolet ou pas? Je me rappelle plus. Je crois qu'on... Non. Si. Peut-être. Je me rappelle plus si on a un fusée de détresse. Je crois que si on avait trouvé un fusée de détresse à un endroit qui est normalement pas le bon. Mais par contre, je l'ai mis où? Le fusée de détresse. Il est au lac Mystère, je crois. Je m'en souviens plus du tout. Je crois qu'il est au lac Mystère. Je crois. Je me rappelle plus. Ça, c'est pas vraiment la chose qui est intéressante hein, pour nous. Ok, donc là, il y a quand même pas mal de choses à fouiller. On va essayer d'être rapide et bien concis parce que, en fait, c'est grand. Il y a plein de petits recoins. Et la luminosité, c'est pas trop ça. Et encore une fois, je voudrais le faire sans lampe. Pour la préserver. Après, je vais être honnête, c'est peu probable pardon, qu'on trouve des choses intéressantes. Hein, étonnant. Peut-être des conserves, genre de sardines et tout ça, des trucs comme ça. Ça, oui, peut-être. Mais ça va être... je pense qu'il va pas avoir beaucoup de choses. Je sais qu'il y a un endroit aussi en hauteur, donc faut qu'on fasse la hauteur. Rien.
accuser. Après, on peut prendre des fusées pour s'éclairer aussi. C'est permis, c'est permis. J'arrive pas à me lever. Pas mal de palettes. Ah putain, ici qu'est-ce que c'est? Ah, je crois qu'il y a un coffre. Ah, j'aime pas faire les coffres. Ah putain, c'était quoi, 21? Pas du tout. Non, ça va pas vraiment pas nous aider du tout. C'est nul. Alors là, je vois quasiment rien. Là, on peut faire un... Il y a un baril enflammé. On peut faire du feu. Il y a du carton partout. Note abandonnée. Ça, c'est un backer. On s'en fout. Établi. J'avoue que c'est pas le top là, moi aussi je vois pas grand chose. Ouais, on va monter. Alors, attendez, est-ce qu'il y a des trucs là? Aïe 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 aïe. Allez. Parce que là ça devient catastrophique. Mais ce serait quand même très con de passer à côté d'un objet intéressant. Ah oui, je crois qu'il y a une cantine et tout ici. Ouais. C'est à moi, ça s'est cassé. Il est où le lit? Ouais, il est là, ok. Alors ce qu'on peut faire, c'est lire et dormir ici en fait. Honnêtement. Voilà, ça c'est déjà un de fait. Est-ce qu'on va pouvoir faire une heure? Ok, très bien. Donc on a... Ouais, on a des trucs, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis en train de réfléchir en fait comment on passerait du temps. De toute façon là je peux plus lire. Hein. J'aurais bien voulu qu'une aurore boréale s'active. Mais... On a 44 kilos, c'est très bien. On a ça. On essaie de gagner un peu de temps, hein, de te faire un peu avancer la nuit, comme d'habitude. Comme ça, on n'a pas besoin de trop dormir. Parce qu'on n'est pas complètement fatigué, en fait. On n'a pas vraiment couru, on n'a pas fait grand-chose. Ok, très bien. Là, on va pouvoir bien passer notre nuit. Très bien. Pam!
Je vais voir un peu. Bon, on peut dormir encore une heure. S'il fait pas assez jour, on va lire le livre de couture. On va voir un peu. Il fait pas assez jour, on va lire. On a de la nourriture à l'extérieur, faut penser à ça. Donc on va pas... Putain, on voit strictement rien. C'est parti. On va pas taper dans les ressources, dans les vivres humaines là qu'on a récupérées. Pas encore. Des lits partout. Je sais pas si on peut tomber à travers le plancher. J'ai jamais voulu tester, mais je sais pas si on peut. Ok, très bien. Les allumettes, c'est toujours bon à prendre. Hein. Nickel. Nickel, nickel. Oh! Ok, on a un passage par là. Alors on va d'abord aller là. Donc j'ai peut-être pas besoin de la lampe. Ah, c'est quand même vachement sombre. Alors là, je sais que là-bas au fond, il y a un cadavre. Ouais. Torche, nickel. Je crois qu'il y a un... Vu qu'on est là, attendez, je suis sûr qu'il y a quelque chose aussi là-bas, de l'autre côté. Je suis bloqué. Genre là, ouais, si, c'est là. Là, il y a une cache, là. Il y a une cache avec des objets et tout ça. Je me rappelle de ça. Ouais. Non, attendez. Fais voir un peu la lampe. 0,32, c'est celle qu'on vient de trouver. Bon, c'est pas énorme. Hein. Il reste pas grand chose, mais bon. Alors, ça, le café, c'est toujours bon à prendre. Le soda, il est bon. Livre. Les docks. Oh là 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 là. Voilà. Il y a encore des trucs. Nickel, nickel. Je peux me lever ou pas? Non, je peux pas me lever. Ouais, je crois qu'on est bon. Bon, par contre, là, les lampes, ouais, en avoir deux sur nous, c'est un peu embêtant. Ça pèse quand même bien lourd. Donc ça, c'est un peu un problème. J'aurais bien voulu trouver un jerrycan, en fait, de kérosène, à la limite, à la place. Ça serait nettement mieux. Mais bon. Après, on peut abandonner la lampe une fois qu'elle est vide. Hein. Ça, on peut le faire aussi. C'est une solution. Donc nous on en était là. On va faire un peu le tri après une fois qu'on aura fini. Ah là je suis content là, je me suis rappelé en fait de la cache là. C'est sympa. Ah on va revenir chargé hein. Il y a quand même quelques objets rares hein, comme les pierres à aiguiser et tout ça. Honnêtement c'est... ça va, c'est... On va dire que c'est une petite aventure potable. Quand même, c'est très potable. Ça valait le coup. Ouais, on est bon. Okay, ça c'est la porte. Ok, alors fais voir un peu. On a 47.
torche à 100%, c'est ce qu'on a récupéré, c'est bien. Donc là, on en a 3, 2, on a ça. En nourriture, donc qu'est-ce qu'on a récupéré? Donc du café. On a des sodas, plein de conserves. T-shirt correct. Des antibiotiques. Là, après, la question, c'est où est-ce qu'on va mettre tout ça? Alors, je vais être honnête, je veux dire, parce que en fait, cet endroit est un peu loin et c'est un peu grand ici. Genre, la conserverie, elle est un peu chiante, en fait. Il y a un endroit là, il y a un endroit là, il y a la conserverie en plein milieu et tout ça. Donc, je dirais de tout placer... pardon, c'est là. Au phare isolé. Je dirais de tout placer au phare isolé. Parce que... ben, voilà. Enfin, après, quand je dis tout placer, c'est les choses qui n'ont pas vraiment... qui sont pas vraiment trop intéressantes. Genre, par exemple, bah, les livres qu'on a lus. Peut-être les bois et tout ça. Vous voyez, les choses comme ça, en fait. Peut-être. Je sais pas trop. Après, on a laissé une peau au Rican. Je sais pas si ça sert à quelque chose d'aller la récupérer. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se tape les sodas ou pas? J'ai 600 pour 25, ça c'est vachement bien. Ceux-là, on les garde, là, ceux-là. Alors, on avait dit que le moins bien, c'était ça, hein. C'était les sodas. Donc, les sodas, on va pouvoir les boire. Fouillons un peu le reste. Ouh la vache, mon dieu. Regarde s'il n'y a pas des objets qui traînent. Oh là là, le bruit, ça c'est parce qu'il y a du vent quoi, c'est horrible. C'est horrible. Alors maintenant, ce qu'on pourrait faire, il y a plusieurs idées. Ou on prend tout le bordel qu'on a, on continue d'explorer ici. Après, il y a une, je crois qu'il y a une mine, mais pas une mine qui va dans une autre zone. Je crois qu'elle reste dans la même zone, si je dis pas de bêtises. Donc en gros, elle fait connexion comme ça. Donc ce qu'on pourrait faire pour vraiment bien fouiller la zone... Alors c'est où qu'on doit aller nous aussi? Ouais, faudrait là. Il faudrait une corde en fait, faudrait trouver une corde, escalade, ouais. On va trouver une corde pour descendre là. Ou alors on peut le faire... quoique non, on n'est pas obligé de prendre la corde. Ouais, alors mon plan, pour bien fouiller la zone, on va sortir par là, on va se remettre sur la route, on va aller au fond. Je crois qu'il y a un bridge, pas un bridge, un pont pardon. Un pont détruit ou alors éboulement, un truc comme ça. On va récupérer ce qu'il y a là. Il y a peut-être des voitures, des cadavres, des trucs comme ça. Je pense pas qu'il y ait grand-chose, mais bref. Et après, on va essayer de trouver la mine qui est par là. Qui est par là, l'entrée de la mine. J'avoue que je le fais pas souvent, en fait, cet endroit. Donc, je suis pas certain de trouver ça direct, mais on verra. Après, si jamais on a des problèmes, on revient ici. Donc du coup, je pense qu'on va tout prendre sur nous. On est à 47 kilos, ça va, c'est potable. Oui, ça va, c'est potable. Est-ce qu'on prend plus de nourriture? Ça, par contre, c'est une bonne question. Après, on a tout ça. Mais bon, comme j'ai dit, je voudrais ne pas taper dans les ressources.
Il va y avoir des loups aussi sur le chemin. Qu'est-ce qu'on fait? On lit une heure. On va lire une heure. Le... Parce que il y a eu la tempête. Nous on est sorti après la tempête. Donc je voudrais voir si le temps peut pas un peu mieux, plus s'améliorer pour nous. On va voir combien de viande il nous reste. Ok, ça marche, on prend tout. Ah oui, ouais, c'est ça, le pont. Le pont est là. Allez, c'est parti. On va passer par là. Alors là, faut faire gaffe parce que c'est fort possible qu'on tombe sur des bestioles. Surtout qu'on sent un peu la barbaque. Oh là là, j'aime pas garder le... Ah! Qu'est-ce que ça foutait là? Il y a du bruit. Je crois avoir entendu du bruit. Je sais pas trop. Je crois que c'est là la grotte, la mine. Oui, c'est là, regardez, il y a le poteau. C'est là. Donc d'abord, non, on va aller voir là-bas. Attendez, on va, voilà, on va balancer un steak. Comme ça, on sent rien. On a moins de chances de se faire accoster. Lapin. Ah, je vois des bois. Loup là-bas. Deux loups là-bas. Ici. Donc ça va, on est parti au bon moment. S'il y a des lapins ici, ça veut dire qu'on est tranquille. Ouais, on va un peu accélérer le mouvement. Bien, 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 bien. Putain, je savais pas qu'on pouvait trouver des... On trouvait ça dans des voitures. Pas mal, pas mal, pas mal. Je pensais vraiment pas. Hein. Oh, il y a une grotte ici. Je crois qu'on peut descendre, je crois qu'il y a des massettes. J'ai cru voir des massettes. On va se mettre à l'abri, on va dessiner. Ok, ça c'est pas super bon signe.
On est bon. Allez, on commence à peser lourd là. Voilà, on commence à peser un peu lourd. Ça va, on va être à l'abri après. Pas de problème. Temps, brouillard. Ok, ça va. On va le laisser, il n'y a pas de problème. On colle pas trop le précipice sur la gauche parce qu'on sait jamais. On monte. Ah, je vais peut-être pas pouvoir dessiner. Pas grave, pas grave, pas grave. Du charbon. On va pas prendre le charbon, ça nous sert pas à grand chose. Attendez. Ça. Ça, je voudrais en finir. C'est bête parce qu'on avait posé en fait le steak qui était déjà entamé. J'aurais dû le faire par l'inventaire et poser le steak qui n'était pas entamé. Comme ça, on mange, on continue à manger celui qui est entamé et après on l'enlève. Ça nous ferait que deux morceaux de viande dans l'inventaire. Enfin, c'est pas grave. Ça. On va finir celle-là, du coup, de lampe, torche. Là, on commence à être lourd, hein, par contre. On commence à être pas mal lourd. Alors, je crois qu'on va devoir faire un arrêt au phare. Et on fera un tri, en fait, sur ce qu'on prend pour chez nous ou pas. Je crois qu'on va faire un tri. Et ça sera au phare. Le phare, je pense que c'est un... un bon endroit, en fait, un bon, comment dire, un bon repère pour la région. C'est dans chaque région, il y a des repères intéressants, des gros repères où c'est pas mal. Le phare est bien, le phare est bien. Ce qui est bien avec le phare, c'est que bon, pour y aller, bon, ça peut être dangereux parce qu'il y a des loups sur le chemin. Mais une fois que vous êtes au phare, en fait, vous pouvez revenir vers la route, ou alors tout simplement. Genre descendre en fait petit à petit et vous vous retrouvez donc. J'ai envie de récupérer tout le charbon quand même et de le mettre dans un côté. Bref. Et après vous pouvez descendre et vous vous retrouvez sur la glace en fait. Donc c'est pas mal. Si on jette tout... Ouais, on n'en a pas vraiment besoin de ça. Okay, très bien. On va recycler ça. Bah, je suis un peu déçu, on n'a pas de corde. On n'a pas de corde, du coup. Je pensais qu'on avait trouvé une corde.
Maintenant, faut que je vois par où on... Enfin, où est-ce qu'on tombe là? Elle est où l'église? Ah, oh, ok, on est plus sur le côté droit là. Attendez. Pas le couteau, pas le couteau. Putain, chier. Ok. Parce qu'en fait là, du coup, on est plus sur la sortie qu'autre chose. Donc j'ai envie d'aller voir la cache. Comme ça, si c'est vraiment des objets à la con qui nous servent à rien, donc la cache, elle devrait être là. Si c'est vraiment des objets qui nous servent à rien, du coup, nous, ce qu'on fera, c'est que on déposera tout au phare. Vous voyez que là, en fait, on y était, là, nous. On a fait ça, on venait de là, en fait, là-haut, et on a passé par l'eau. Donc, moi, je voudrais aller voir là-bas. C'est pour ça que je me suis allégé, comme ça, on va vite. Vous avez vu qu'on marche nettement plus vite, hein, quand on n'est pas en surpoids. Est-ce que c'est là? Le problème, c'est que là, il fait... Là, c'est un brouillard, donc du coup, je vois pas... Je peux pas dessiner, en fait. Donc, je sais pas si on est au bon endroit ou pas. On sait que c'est là. Sac à dos. C'est peut-être pas ça en fait. Ah non, je sais pas. Attendez, on entend des corbeaux. Donc il y aurait un cadavre avec un sac à dos pas loin. J'arrive pas à savoir d'où viennent les corbeaux. Ah, attendez, je vois leurs ombres là. Là-bas? Comment on y va là-bas? Maintenant, ça doit être là-bas en fait. Mais on peut y aller? Alors là. Il est où mon matos? Ouais, il est un peu plus loin. Mais comment j'y vais? On peut pas aller sur la... Si? Après, j'ai jamais essayé. Hein. Lapin. Ok, ça va. Peut-être qu'il y a un passage. Hein. Parce que là, on n'a pas trop froid, donc autant en profiter. Oula. Attends, c'est peut-être ça. Ah. Ok. Je pense pas... Ouais, je pense pas être passé par là. J'ai jamais visité là, de ce côté-là. Je pensais vraiment pas qu'on pouvait en fait. Ah, je crois qu'on se rapproche des corbeaux. Jardin secret de Cathy. Pas mal. Tu veux me... Merci. Et elle est où, Cathy?
Et du coup, il n'y a pas de cadavre en fait. Ah si. C'est bête qu'à chaque fois, il n'y ait jamais de nom. Genre, il n'y a que cadavre, mais bon, ils auraient pu mettre genre Cathy. Bon, bah c'est pas mal. Bon, bah j'ai appris quelque chose. Ah, on pourrait faire une pause pour manger, honnêtement, mais bon, j'ai pas vraiment envie de... Pas comme si on en avait vraiment besoin, donc ouais. On va aller au phare maintenant, je vais récupérer tout mon matos sur le chemin. Et on va aller au phare. Je pense que... Je pense qu'on va dormir au phare. Je pense qu'on va lire pour faire passer le temps et on va dormir au phare. Tendance à tirer au dernier moment, hein. C'est fait exprès, hein. C'est pour vraiment être sûr de lui mettre dans la tête direct. Et si jamais je me... Ok, alors attends, il va se bouger un peu les fesses. Je pensais lui faire peur, mais au final ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Relou, toi, quand même. Ah, il y a des bateaux en bas. Parce que là, il y a beaucoup de choses, en fait, sur la route. Ouh, je le sentais mal, lui. Je le sentais un peu mal. On va aller voir les bateaux. Là-bas aussi, il y a quelque chose, ça doit sûrement être une carcasse, j'imagine. Ouais, non, il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant. Ok, direction... Alors, honnêtement, on a un beau temps. J'avoue que je serais pas contre partir maintenant. Parce que honnêtement, je crois qu'on y arrive tranquille. Hein. On arrive à rentrer tranquille. Donc, bon. Vu le temps qu'il fait. Mais, on va... Ouais, elle va être fatiguée.
On va être fatigué à porter parce qu'on est, déjà assez fatigué en fait, on est plus à 45 kg max. Donc du coup on va pas le faire. On va se... Ouais, on va passer la nuit, c'est pas grave. Et on... Ouais. J'espère qu'on aura... que ça se passera bien le lendemain. Comme ça on rentre en une traite. On s'arrête pas. Il y a un établi au phare? Je m'en rappelle plus. Il y a des trucs autour ou pas? Je crois pas. On peut descendre. Ouais, le phare, c'est ça qui est bien. On peut descendre en fait. De plusieurs côtés, donc en théorie c'est l'endroit le plus embêtant à atteindre d'ici, mais après une fois vous êtes tranquille, une fois que vous êtes là, complètement tranquille. Donc on fait ça, très bien, on va poser ça aussi, on a ça, ça. Les livres, faut que je fasse le tri. Ça, on n'en a pas vraiment besoin. C'est vrai que maintenant, on les utilise plus. C'était marrant, ça faisait gadget, en fait. Maintenant, c'est vrai qu'on s'en fout un peu. La nourriture, on est bon. Donc tout ça, on va le prendre avec nous. Il n'y a pas de... Il n'y a rien à dire. On va le prendre avec nous. Ça, c'est bête, j'ai pas trop d'eau. Mais je pense qu'on devrait être bon. Au pire, je boirai des thés qui me restent. On est bon, on a... Alors ça, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les laisse ou pas? Là, c'est un peu ma question. Genre, ça on laisse, ça on laisse. Les vêtements, est-ce qu'on a des vêtements extra? Si on a ça... Nickel. Alors, j'ai dit que toute la nourriture, ça, on prend, on ramène tout chez nous. Les fusées nautiques, il faudrait aussi les ramener, parce qu'elles servent à rien ici. La lampe tempête qui est vide, on la laisse. Celle-là, il lui reste encore du kérosène, on la prend. Ça, on prend, c'est important. Ça on prend, il y a des torches, on peut un peu les jeter. On est quand même à 47 kg, en final c'est pas énormissime. Non, ça va, ça va, ça va. Ça, ça. Ouais, je sais pas si les bois en fait on les prend ou pas. Enfin, le truc c'est qu'on en a déjà à la maison. Donc est-ce que on a vraiment envie de... d'en prendre ici? Est-ce qu'il y a un établi? Je me rappelle jamais. Je crois qu'il y a un établi ici. Il est pas en haut l'établi. Non, il n'y a pas d'établi ici. Non, il n'y a pas d'établi. Après, on n'est pas obligé de laisser tous les bois. On va prendre un. Ouais, on peut prendre ça avec nous. Enfin, on peut tout prendre, hein, techniquement, parce qu'on a assez. Là, pour la place, on a assez. On est à 47, c'est bon, on n'est pas énormissime. Ça fait 3, hein. On est d'accord. 3 fûts de flèche. 6. Ça, ça fait un arc. Après, on a d'autres bois là-bas. Ouais, on va garder, on va laisser ça là. C'est pas mal. Séché. On va laisser tout ça ici.
Les médicaments, j'en ai pas vraiment besoin. Donc ça on laisse, les tablettes aussi on laisse, c'est pas vraiment intéressant pour nous. Pansements. Ils en font que 5. Par contre ça, les ragis, tout ça, on va pas les mettre là, ça sert à rien. Parce que c'est quand même des choses qu'on peut utiliser, donc ça on les ramène à l'autoroute côtière. Ça y a pas de problème. Ouais, tout le reste on ramène à l'autoroute côtière. Voilà, voilà. Techniquement, il faudrait qu'on s'arrête là, parce qu'après, ça va faire un épisode un peu long. Mais la chose que je voudrais faire... La chose que je voudrais faire, en fait, c'est finir à l'autoroute côtière. Comme ça, moi, je vois si je fais quelque chose à l'autoroute côtière, genre si je... j'essaye de faire des trucs... Ça, on l'a lu... Ça, c'est pour dépecer vos proies, on n'en a pas besoin. Y a d'autres livres qu'on a lus, non? Pas survivre à la nature, on l'a lu. Il nous reste que ces deux-là. Voilà, très bien. Ouais, je vais pas avoir assez d'eau. C'est pas grave. On est à 45 kg, 44, on est en dessous des 45, c'est nickel. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour passer le temps? Est-ce qu'on peut... Toi c'est combien? 5 heures. 25 heures. Ok. rafistoler des choses. 1h20. Oh merde, j'aurais pas dû le faire. Eh ben, c'est passé quoi. Je vais avoir un problème avec l'eau, moi. Ouais, non, mais enfin, je boirai toutes les tisanes et tout. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là? Ça va faire... Enfin, moi, je veux bien rentrer, en fait. Ouais, non, mais on va rentrer d'abord. Mais comme j'ai dit, comme ça, moi, je m'arrête. On arrêtera l'épisode à l'autoroute côtière. Et moi, je pourrais voir si je veux farmer entre-temps et tout, genre avant le prochain épisode, hein. Voir si je fais des trucs en plus. Et je pense que honnêtement, on est arrivé à la fin de l'autoroute côtière. Donc on va techniquement pouvoir partir autre part. Je pense qu'on peut, se permettre de partir autre part. Je sais pas où. Je vais être honnête, je sais pas où. Je sais pas quoi faire maintenant. Je voudrais pas trop... visiter d'autres zones. Je voudrais vraiment que le reste de la mise à jour arrive, en fait. Ok, on a plus d'eau. On va faire 8 heures. J'aimerais vraiment que le reste de la mise à jour arrive. Comme ça, on peut faire autre chose. On peut faire les nouveautés. Dormir encore 1 heure. Ah, ok, c'est bon. Alors là, on n'a plus d'eau. Des tisanes parce que j'avais trouvé des tisanes, mais on va, on a quoi? On a ça. Pas beaucoup d'eau. Hein. On va manger ça. Okay. Après, je peux toujours manger les boîtes de sardines et tout ça. Ça fait toujours de l'eau. On pourrait le faire réchauffer, mais il faudrait faire un feu et tout. C'est chiant. Ok, on est bon.
J'aurais pas dû le boire directement parce que du coup j'ai gaspillé des calories. C'est un peu con ce que je viens de faire. C'est pas grave. Putain, je vois strictement rien, c'est bien. Attendez, je fais comme ça. Oh là là. Elle est où la porte? Elle était à côté d'une fenêtre, la porte. Ah, là je vois la lampe. Ok, la porte elle est là du coup. Ok, quitter le phare. Alors, dernière vérification. On est à 43 kilos, c'est bien. Je crois qu'on avait laissé des objets dans la zone juste avant l'autoroute côtière. Donc ça, c'est cool. Donc, on va prendre tout ce qu'on a sur nous. Il n'y a pas de problème. Let's go. Et ben voilà. Bonne chose de faite. Très très bonne chose de faite. Ça s'est très bien passé. On n'a pas eu d'accrochage. On a découvert pas mal de choses. On a plein de fusées nautiques. Pour je ne sais quelle raison. Pas je sais pourquoi, mais parce qu'on a fait la cache. Mais ouais, c'est pas trop utile. Par contre, on a trouvé des pierres à aiguiser. On a trouvé du thé. On a trouvé quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre qui était bien? Beaucoup de nourriture, oui, au final, oui. Beaucoup de nourriture, ça c'est bien. On va pouvoir faire un petit tas. On a fait tous les plus grands endroits honnêtement de la zone. Donc ça c'est une bonne chose. On n'a pas trouvé de corde par contre. La corde doit être quelque part dans la région. Hein. Je suis quasiment certain de ça. La corde doit être quelque part. Mais on n'en a pas trouvé. Non, c'est pas par là. Non. Ça c'est la mine, ça. On a découvert un autre endroit aussi. Du coup. En résumé, je suis content. Je suis très content. Ça s'est très bien passé. C'était... Ah, tais-toi. C'était une très bonne chose. Mais ouais, comme j'ai dit... Bon, je pense pas qu'il y aura des loups sur le chemin, là. Donc, je peux parler. Comme je disais... J'ai un peu peur de faire genre toutes les zones et qu'on arrive à plus rien à vouloir faire. Enfin, ou pour plus rien à faire exactement. Et qu'on soit vraiment bloqué genre à attendre les DLC. J'aimerais bien... Enfin, les rajouts hein, quand je dis ça. Les rajouts de DLC. Donc j'aimerais bien en fait ne pas tout faire, ne pas faire toutes les régions. Et attendre vraiment les nouveautés. Comme ça, on fait les régions qu'on n'a pas faites avec les nouveautés. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais vraiment qu'on puisse faire ça. Ouais, je pense que ça serait vraiment bien. Voilà. On a froid et on arrive
Juste à la... À la mine, c'est très bien. Voilà, nouvelle lampe. Voilà, parfait. Donc ouais, moi c'est ça un peu l'optique que j'ai, c'est que bon maintenant je voudrais quand même avoir des nouveautés, parce que bon là j'ai quand même pas mal d'épisodes d'avance déjà, donc je crois que c'est assez potable. Pour ceux qui sont membres, c'est très potable. On a au moins, je crois qu'à l'heure où je vous parle, j'ai au moins une quinzaine d'épisodes d'avance, ou même un peu plus. Il y en a même que j'ai même pas encore édité, rien. Donc c'est potable. Mais je veux voir les nouveautés, quoi. Donc je crois que personnellement, je vais faire une petite pause, je vais attendre. Ah, en parlant de ça, bon, le moment où vous verrez la vidéo, enfin tout le monde, je pense que ce sera déjà sorti, mais apparemment, il y avait des problèmes sur console. J'ai vu que Interland a tweeté. Normalement, c'était genre. Alors, le mois de mars, c'était mi-mars, c'était l'épisode 1 de du DLC, là, sur console. Et après, le 30 mars, donc à la fin du mois, c'était le deuxième. Et ça, c'est pour tout le monde. En théorie, le 30 mars, on aura donc le deuxième rajout, en fait, la partie 2. C'est pas l'épisode, parce que l'épisode, ça fait penser comme quoi c'est l'histoire. Mais en fait, non, c'est pas l'histoire, c'est partie 2 du DLC, voilà. Et du coup, apparemment, il y aurait des problèmes sur console, donc bah, la partie 1 a été repoussée sur console, et du coup, elle sortira en même temps que la partie 2. Donc, ouais, ça promet encore pour les problèmes, hein, je pense. Hein, parce qu'apparemment, ils ont des problèmes encore. Donc ouais. Et ça c'est pour tout le monde je pense, hein. Je pense que tout le monde on va avoir plein de bugs quand la partie 2 va sortir, parce que déjà qu'ils ont du mal avec la partie 1 sur console. Enfin, déjà qu'ils ont du mal avec la partie 1 sur PC. Donc j'imagine même pas sur console ce que ça va être. Ah, enfin, j'espère que ça va bien se passer, hein, mais bon. Par contre on va devoir se brouiller parce que j'aime pas trop ce temps là. J'ai un peu peur que... Il y ait une tempête. Faut qu'on trouve l'endroit où on peut rentrer, là, au sous-sol. Oh, il y a un lapin. Je vais essayer de pas lui faire peur. Yeah, parfait, on est bon, on est bon. Il va aller sur le lapin, c'est 100%. Voilà, très bien. On allait sur cette voiture ou pas? Oui. Le capot est levé. Ok, on va regarder là ce que j'avais laissé. Je crois avoir laissé des choses intéressantes. Ça. Et c'est tout. Juste attendre 15 minutes, le temps de se réchauffer. Je sais que j'ai pas d'eau, mais en théorie, je pense que ça passera jusqu'au camp. Comme j'ai dit, au pire, on boira encore un thé. Attends, je vais me baisser. Non. Quand on court, on se déshydrate pas plus vite. Donc ça, c'est bien. On consomme juste plus de calories et on se fatigue plus vite. Mais pas, on se déshydrate pas plus vite. Ça, c'est une bonne chose à savoir. J'aime bien le fait aussi qu'on ait pris le badge là, qui permet de récupérer de l'endurance plus rapidement. C'est vraiment pratique pour sprinter, honnêtement. Dans mon Discord, c'était Tonton Dak qui m'avait dit ça. Lui, il prenait ça, je crois bien.
Et moi, j'hésitais à prendre ça aussi. Parce que je me suis dit, les calories au début, ouais, c'est bien d'économiser des calories. Mais au final, les calories, on n'a plus vraiment de problème. Genre là, on n'a pas vraiment de problème de calories, en fait. Une fois qu'on peut tout chasser, il n'y a pas de problème. Donc je me suis dit, ouais, ça va être bien au début, mais après, ça va pas être très utile. Putain, il faut vraiment qu'on se bouge, là. Ouais, tempête. Bien ce que je pensais. Et ouais, et du coup, on a bien fait. Bon, ce qui est bien, c'est que... Ouais, on va suivre la route. Je pourrais se tracer, je pourrais couper. Mais je suis pas certain de la trajectoire à prendre. Donc je préfère... On va rester sur la route, quoi. En plus, faut boire. Mais ouais, pour les mises à jour, là, la partie 2, là, je pense que je vais attendre. Je pense que je vais attendre. Au moment où j'enregistre ça, on est le 13. Donc, encore une vingtaine de... plus d'une vingtaine de jours, en fait. Ça m'embête un peu, parce que honnêtement, j'aime beaucoup faire mes épisodes. J'aime beaucoup le jeu, encore. Encore une fois, c'est... Hein, ça va sans dire. Mais ouais, j'ai quand même envie de voir les nouveautés là et pas trop m'avancer dans le jeu. Donc je pense que on va peut-être s'arrêter là à l'autoroute côtière. Du coup, c'est un très très bon endroit en fait, il n'y a pas de problème. Et après, on verra ce que la partie 2 rajoute. Donc si par exemple la partie 2 rajoute... J'ai un peu peur qu'on tombe sur des loups, mais normalement, on ne devrait pas tomber sur des loups. Si la partie 2 rajoute la radio, par exemple, et que la radio, elle est... Du coup... Je fais un peu attention, c'est pour ça que je fais des pauses quand je parle. Si elle est à l'aéroport, ben on retournera à l'aéroport, hein, évidemment. Donc on partira d'ici et on ira à l'aéroport. Ça va peut-être nous prendre au moins 2 épisodes pour y aller. Ça, c'est un peu le problème parce qu'on est quand même loin. Ok, on est bon. Oh la vache. Nickel, nickel. Ouais, ça va nous prendre un petit moment hein, avant d'arriver, de retourner à l'aéroport. Mais bon. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. On est là maintenant, de toute façon. On peut pas faire autrement. Ah, très bien. Alors, ça... Ah, je sais ce que je vais faire, moi, en attendant. Parce que farmer un peu pour farmer, ça sert à rien. Mais par contre, ce que je peux faire, à la limite, le minimum que je pourrais faire, c'est un arc et des fûts de flèches. Ouais, je pourrais passer quelques jours. Bah ouais, ça va être quelques jours, parce qu'à chaque fois, ça va vite. Et faire des fûts de flèches, parce qu'on en a quasiment plus. Si je dis pas de bêtises. Ouais, on en a plus qu'un. Ça, c'est des flèches. Et un arc, surtout. Comme ça, quand on partira, on pourra partir avec un arc à 100%. Et après, bon, bah, les peaux, elles sèchent. Hein, y a pas de problème. On pourra tout réparer. Ça aussi, il faudrait peut-être que je fasse passer du temps pour que les fourrures d'ours soient sèches aussi. Ouais, on va faire des... Oui, on va faire des trucs. Ouais, je ferai des trucs entre-temps, ça va. On va se vider un peu. Ouais, je suis content. Oui, il y a quelques trucs à faire, ça va. On a les livres à lire. Toutes les conserves. Alors, je vais voir.
J'aimerais bien mettre ça à côté, sur des étagères, les conserver et tout. En théorie, c'est mieux, hein, mais on peut tellement pas les placer les unes à côté des autres qu'au final, ça prend tellement de place. Donc les étagères, bah, c'est pas très pratique en fait. Ah, c'est pas mal tout ça là. Ouais, je voudrais bien tout mettre sur des étagères moi. Mais bon, vous avez vu l'espace qu'on peut faire? Regardez. C'est trop chiant en fait. Donc ça prendrait trop de place sur les étagères. Ah oui, on a tous les... on a tout ça aussi. Ça aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même du matos en fait sur nous. Donc ça veut dire que quand on partira de la zone, on aura théoriquement tout à 100%. Je vais être franc, je crois qu'on aura vraiment tout à 100%. Donc ça, c'est vraiment bien. On a plein d'outils de qualité, ça pète. Ouais, ici c'est vraiment cool. J'avoue que je suis content qu'on ait fait cette zone-là. Comme ça nous donne quand même beaucoup de matos. On a la scie, elle est à 100%. On a des pieds de biche à 100%. Les crampons, il faudra les prendre. Faudra vraiment pas que je les oublie, les crampons. Cette lampe-là, on peut la mettre là. Pour ce qui est du thé, très bien. Voilà, on a deux boîtes de thé, on a quatre pierres à aiguiser. C'est sans parler ce que j'ai dans l'inventaire. Deux nécessaires de couture, trois thés. Enfin, 3 cafés, pardon, et je crois que c'est par 5 à chaque fois, ou peut-être qu'il y en a un à 4, mais c'est tout. Oh là là, non, on est très très bien, je suis content. On est très très bon là. On va placer. Il faut qu'on en fasse 2 de thé, donc on va garder ça. 5. Ouais, on en a beaucoup là. On a beaucoup, beaucoup. Comme ça, j'en ferai 2 et on en aura 10. On en a énormément en fait. Ça, c'est bon. Le tissu, on en a 31. On a du cuir. Nickel. Du bois encore là, ça c'est tous les livres que j'ai pas fini. Après, est-ce que je prendrais le temps de lire tous les livres? Bah, j'en sais rien. En théorie, oui, ça serait bien, ça serait utile, mais genre dépecer, non, mais qu'est-ce qu'on pourrait lire? Donc la pêche. Ah oui, je pourrais faire de la pêche aussi, histoire de... Attendez, là c'est 4. Ah oui! Je pourrais faire de la pêche, histoire de repartir avec une lampe à fond. Une lampe complètement pleine. Ouais, je peux faire ça, tiens. Je peux faire ça. Ce serait une bonne chose à faire. Ce serait une très très bonne chose à faire. Pour les vêtements, qu'est-ce qu'on aurait à réparer si on doit partir? Genre, donc tout ce qui est serre, tout ce qui est lapin, ça c'est facile à farmer, donc c'est bon. Pour ce qui est de l'ours, ben, à chaque fois c'est 30%, je crois. Quantité à réparer 13. Quantité
ça va pas. Enfin, ouais, je crois que c'est 30% au maximum qu'on peut réparer. Donc honnêtement, on a encore de la marge. Et même pour le sac à coucher, le sac de couchage, pardon, on a aussi de la marge. On est juste seulement à 92. Donc en théorie, on n'a même pas vraiment besoin d'utiliser les grandes peaux. Mais par contre, ouais, tous les petits vêtements, puis ouais, on peut faire ça. Ça, je le ferai quand on partira. Comme ça, ça sera vraiment tout à 100% quand on partira. L'accélérant, c'est pas vraiment utile. Mais ouais. On va s'arrêter là. Voilà. On va s'arrêter là. Donc voilà, c'est sauvegardé, donc maintenant je peux être tranquille. Donc oui, c'était un épisode un peu long, mais donc ce que je vais faire moi entre temps, parce que là on a quand même pas mal de peau et de trucs tout ça, ce que je vais faire moi entre temps, c'est faire des fûts de flèches, comme ça on en a une vingtaine ou je sais pas combien, faire un arc ou deux, comme ça ils seront à 100% et on en aura peut-être un d'avance, donc je vais peut-être en faire deux. Je vais peut-être pêcher pour avoir une lampe tempête au max. Ça serait bien aussi. Comme ça, elle serait pleine, genre un litre au maximum. Donc ça serait sympa. Après, ce que je vais faire aussi... Enfin, ça sera après quand on partira. Ben, je réparerai tous mes vêtements et je ferai un tri sur ce qu'on prend là, parce que là on a encore un peu beaucoup de nourriture, hein, encore une fois. Donc, est-ce qu'on prend tout? Je sais pas. On prendra les fusées, ça sert pas à grand chose. Le thé, le café, tout ça, je sais pas si on les prendra. Je vais aiguiser aussi mes armes avant qu'on parte. Les outils de qualité, c'est pas trop intéressant non plus de les prendre. En fait. On va voyager léger, parce que là on a un camp, on a un super camp là, ok. Là on a fait un super camp ici. Donc au final on a un super camp à l'autoroute côtière, on a un super camp au lac Mystère. Même le bon Timberwolf est potable en fait, à la vallée charmante aussi, c'est pareil, au village là. Donc c'est des bons camps en fait. Et on a une sorte de triangle en fait, comme ça là. On a un triangle, avec des bons camps, avec des objets. Donc du coup c'est bien, et quand on aura genre le travois là pour trimballer tout ça, on reviendra à ces endroits là pour récupérer le matériel, voilà. Et après ça dépend comment ça fonctionne, encore une fois, hein, c'est des suppositions. Si c'est bien, bah, on pourra mettre du matos sur le travois et donc on viendra là pour ça, pour charger tout le matos. Si c'est pas intéressant, on le fait pas, enfin voilà. On va faire des choses en fonction des mises à jour, en tout cas, à un certain moment. Mais ouais, ce sera le dernier épisode pendant un petit moment, en tout cas pour moi. Pour vous, ça devrait pas être trop visible. Mais pour moi, ouais, je vais faire une pause et j'attends vraiment l'épisode 2. Enfin, la partie 2. Et on verra. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Épisode un peu long, mais bon, ça arrive. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao!